En ville, faut attendre beaucoup, mais ici, t'as rien à attendre, parce que tu fais pas, il n'y a rien de fait, en fait. Donc, il n'y a pas d'attente. Commune qui s'appelle Regina et ça trouve à 200 km de Cayenne et Brésil. Regina a été délaissée avec les années, mais il ne faut pas oublier un truc, la richesse qui reste, qui est toujours permanente, c'est l'attente des gens. L'attente des gens, elle est énorme, c'est une force. En fait, moi, là pour l'instant, je suis sur un grand chantier. Du coup, j'ai hâte de finir cette année. Pour 2014, pour que je puisse recommencer mon travail sur le fleuve, le tourisme, guide et pêche. Yaman, c'est ça que j'attends. On se débrouille pour tout. S'il n'y a pas, par exemple, quand on a déménagé ici, on n'avait plus une thune. Eh ben, on a bouffé du cramagnoc, il n'y a pas de café, il y avait de la citronnelle, on avait les poules, on a mangé des poules, voilà. J'attends pas qu'on me donne, quoi, parce que personne ne va me donner. Donc je vis le truc, et voilà. Et en ville, c'est beaucoup plus compliqué. Si tu as pas, et ben tu deviens SDF, tu manges pas. Je viens là et j'attends le soleil qui se lève et le petit travail au quotidien, les plants d'ananas qui poussent doucement. On attend la récolte avec beaucoup de persévérance et beaucoup de quiétude. Voilà, on attend ce que la mère nature nous offre. Ici, on est bien. Voilà.